Je suis moche, je te fatigue. Non, tu m'emmerdes. Oh là! Baudet, prends-le un peu une crève. Je fais un effort. Tu pourrais dire merci. Merci. En tout cas, tu pourrais dire bonjour. Eh ben, bonjour, merci et au revoir. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Hein? Si je te le disais, tu me croirais pas. C'est quand même pas pour une bonne femme que tu t'es foutu à la flotte, non? Si. Enfin, ça te regarde. Alors, lève ça. Ah ben, ce qui est bête avec toi, c'est que t'as pas de complexe. T'as froid, tu le dis, t'as faim, tu le dis. Aux autres de jouer, hein? Si c'était pour me laisser comme ça, fallait pas me tirer de la flotte! Salut, Raymond. Tu peux m'emmener mon pote et moi, là? Oui, évidemment. Bon, allez, le gars de la Crosse, monte derrière. Les cajots, ça doit te connaître, toi. Houston, appelle-lui une place et puis ouvre la porte. Votre tête de veau, monsieur Pascal. Même. Et un poireau. Tiens, passe-moi un peu de poêle. Ah, eux deux, ils ont tout inventé pour me rendre fou. Je crois bien qu'ils y sont arrivés. Bah, tu chauffes pas. Tiens, bois un coup. Et puis un jour, ils ont mis le paquet. Ils ont fait venir un médecin de Paris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, un aliéniste. Il a commencé à parler d'une petite cure. Tu vas t'en coller une bonne ration de choc, et puis comme ça on sera tranquille jusqu'à demain. Tiens, allez, bois, c'est une ordonnance. Ah, dis donc, et c'est ça qui t'a pris tout ce temps-là? Je me suis lavé la tête. Tu veux dire que tu viens de mettre tes petites mécaniques, ouais? Ah! Je bois parce que j'ai soif! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient de chez Marie-Lou, la deuxième porte à droite. Son quartier maître est en permission. Tiens, la Peugeot grise, c'est elle! Et qui c'est? Ma femme! Ma femme? Regarde-moi bien, réponds-moi. Et où elle est, cette maison? À Passy. À Passy? Oui, mais je veux pas y aller, je veux pas! Tour de vache, alors là, moi, je m'en mêle. Et ta bonne femme, je vais m'en occuper, moi. Il n'y a pas qu'elle, il y a le beauf. Oui, ben le beauf aussi, je le prends, mais si, c'est vrai. Je m'excuse, mais... Vous êtes bien la femme de Didier? Que lui est-il arrivé? C'est la troisième fois qu'il tente de se tuer. Un jour, il a brusquement cessé de travailler et s'est inventé un passé de propriétaire terrien.